Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, je vais vous présenter la boucle FORNEX, donc notre première boucle. Alors, pourquoi la boucle FORNEX? Tout simplement, c'est une boucle qui est assez simple. Pourquoi? Car on va lui indiquer le nombre de fois qu'on va répéter cette boucle. Pour bien comprendre, on a une action à faire dans Excel. Je dois faire, par exemple, 5 fois cette action. Je vais utiliser la boucle FORNEX, car je vais lui indiquer de faire 5 fois cette action. Alors, il existe bien sûr d'autres boucles qui n'ont pas le point de devoir indiquer le nombre de fois qu'on va faire et qu'elles s'arrêteront suivant un critère, mais ce n'est pas notre cas. Donc nous, ce sera une boucle relativement simple où je vais dire j'ai 5 fois à faire une action et la boucle va s'exécuter 5 fois. Donc rentrons dans le vif du sujet, on va se rendre dans l'onglet développeur. Donc là j'étais dans accueil, là-haut développeur. Je vais dans l'environnement visuel basique en cliquant ici sur le petit bouton et maintenant je suis dans l'éditeur et je vais pouvoir insérer un nouveau module. Voilà, je vais changer son nom, j'efface module 1 et je vais mettre boucle FORNEXT. Voilà, entrée. Et maintenant, je vais rentrer donc sub comme d'habitude et le nom boucle For next, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer, il me met end sub comme d'habitude. Et maintenant un petit commentaire, donc un petit guillemet, un petit apostrophe, et je mets déclaration des variables. Je fais entrer, première variable, ça sera ma variable tableau, donc dim, puis je vais l'appeler tableau. Alors ici, par rapport à l'exemple où j'avais mis dans variable tableau, un tableau d'une colonne avec X lignes. Ici, on va faire différent. On va faire un tableau de 5 lignes et 2 colonnes. Donc déjà, on va avoir un tableau un peu plus complexe. Donc on va voir comment on déclare la taille d'un tableau de 5 lignes et 2 colonnes. Et on va voir donc comment on va faire pour le remplir. Remplissage simple, toujours. J'ouvre la parenthèse et là, je vais dire de 1 tout 5, donc de 1 ligne à 5 lignes, virgule, et les colonnes, de 1 colonne tout 2 colonnes, et je ferme la parenthèse. As, alors, ici, je vais mettre des données, alors, on va faire simple, il y aura du texte, il y aura des nombres, donc on va faire très simple, je vais mettre string. Voilà. Un petit commentaire. Donc, un petit apostrophe. Et je vais mettre ici tableau de 5 lignes et 2 colonnes. Entrée. Voilà, donc vous voyez, de suite, il a mis les majuscules de couleur bleue ou mettre en vert les commentaires et les mots réservés. Donc, tout a été bien reconnu. Je fais un petit espace. Et maintenant, je vais faire le remplissage du tableau. Un petit apostrophe, remplissage du tableau. Je vais à la ligne. Alors, on va faire très simple, hein. Comme j'ai dit, tableau. J'ouvre la parenthèse et je vais lui dire, donc, première ligne, virgule, première colonne. Je ferme la parenthèse, égal, et je vais mettre entre guillemets, lundi avec un L majuscule. Voilà, et je fais entrer. Et vous voyez qu'automatiquement, il a rajouté les espaces comme il faut. Donc, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et je vais aller faire, donc, tableau. J'ouvre la parenthèse. Deuxième ligne, virgule, première colonne, toujours. Je ferme la parenthèse. Égal, j'ouvre les guillemets. Et je mets mardi. Je fais donc ma troisième ligne avec toujours tableau. J'ouvre la parenthèse. 3,1, je ferme. Égal, j'ouvre les guillemets. Je mets mercredi. Je ferme les guillemets. Tableau, quatrième ligne, j'ouvre la parenthèse, quatrième, virgule 1, pour toujours la première colonne, est égal, j'ouvre les guillemets et je mets jeudi. Je ferme les guillemets. Et enfin, tableau, parenthèse, 5,1, je ferme la parenthèse, égal, j'ouvre les guillemets et je mets vendredi. Voilà, donc là, c'était la première colonne. J'ai fait les 5 lignes. Maintenant, bien sûr, je vais faire toujours la première ligne, virgule, mais la deuxième colonne. Je ferme la parenthèse, égale, et là, je vais mettre un nombre. Donc, je vais mettre 100. Voilà, et je continue comme ça.
tableau, deuxième ligne, virgule, deuxième colonne, égale 200. Tableau, troisième ligne, virgule, deuxième colonne, je ferme la parenthèse, égale 300. Tableau, j'ouvre la parenthèse, 4, virgule, deuxième colonne, fermez la parenthèse, égale 400. Et enfin, tableau, j'ouvre la parenthèse, cinquième ligne, virgule, deuxième colonne, égale 500. Super! J'ai donc maintenant, donc, j'ai déclaré mon tableau, hein, là-haut, avec sa dimension et puis le type de contenu, des caractères, donc avec string. J'ai rempli mon tableau, avec première colonne, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, deuxième colonne, 100, 200, 300, 400, 500. Et maintenant, bah, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'aimerais bien vérifier dans la feuille Excel, grâce à une boucle, et écrire dans cette feuille les données. Donc, je mets un petit apostrophe, je vais rentrer un petit commentaire. Donc, remplissage dans la feuille, Excel à partir des données dans Tableau. Voilà. Et je fais entrer. Et là, il va falloir que je fasse une boucle. Alors, pour faire simple, au niveau de la boucle, donc, je vais avoir une variable qui va représenter les lignes et une variable qui va représenter les colonnes. Donc, je vais retourner en haut ici. Voilà. Et je vais rentrer, tout simplement, donc, déclarer la variable, donc, dim. Et on va l'appeler l. As integer. Voilà. Et je vais aller mettre un petit commentaire. Voilà, un petit apostrophe. Et ici, je mets variable ligne. Entrée. Et ensuite, dim. Donc, c pour colonne. As integer. Et je vais aller mettre un petit apostrophe, espace, variable, colonne, entrée. Voilà, comme ça au moins je sais. Donc j'ai une première variable où j'ai déclaré la variable tableau avec 5 lignes de colonne, avec comme données string, et j'ai fait une variable ligne qui s'appelle l integer, et une variable colonne, c'est integer aussi. Et maintenant je vais pouvoir aller utiliser ici mes boucles. Commençons donc par la première boucle, donc for l égale 1 tout 5, donc tout simplement, et je vais déjà directement, je mets un espace, voilà, je saute une ligne, mettre la fin de la boucle qui est next, et je vais mettre l, voilà. Donc ici, je vais mettre toujours un petit commentaire. Voilà, j'aligne bien mes commentaires. Une petite apostrophe. Et ici, je vais mettre la boucle ligne. Super. Je passe directement à la boucle donc colonne. Je décale. Alors, pourquoi je décale? Tout simplement, c'est une question de... pour se repérer, c'est beaucoup plus simple. Imaginez quand il y a des boucles qui sont assez grandes et que ça peut très bien donc, être sur 10-15 lignes, le début de la boucle, fin de la boucle. À la fin, je ne sais plus si le next correspond à telle boucle, je suis un peu perdu. Donc, c'est beaucoup plus compréhensible. Donc, j'aligne tous les for next d'une boucle et le for next de l'autre boucle. Et ici, je vais marquer for c égale 1, tout 2. Entrée, et je mets directement le next C. Je remonte, donc, tout simplement pour aller mettre mon petit commentaire. Apostrophe, boucle, colonne. Et bien sûr, il va falloir rentrer donc une instruction pour pouvoir remplir la feuille Excel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là aussi, bon, on va faire simple, cells, donc la cellule hein, en anglais. Alors, l'anglais en VBA est quand même pas si, je dirais, complexe que ça.
et on peut très vite apprendre, même si on n'a jamais fait d'anglais ou qu'on est très mauvais en anglais. Donc cells pour cellules. Et je mets, donc quelle cellule? Eh bien tout simplement, vous voyez, c'est marqué row, column. Donc, bon, row, c'est la ligne. Column, la colonne. Donc je vais lui dire, ici, ligne, bah, c'est L, virgule, et la colonne, on a dit, c'était C. Je ferme la parenthèse. Égale, bah, et ça sera égal au contenu du tableau. Tableau, j'ouvre la parenthèse, et pareil, je mets L, virgule, C. Et là, je vais mettre un petit commentaire, un petit apostrophe, remplissage de la cellule suivant le tableau. Voilà. Donc on voit ici directement. Alors, je vais mettre quelques points d'arrêt. Donc je vais commencer par mettre un petit point d'arrêt sur toutes les boucles. Comme ça, on pourra voir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai mis, et comme ça, on va faire un step by step, étape par étape. Alors, je vais réduire ma fenêtre afin qu'on puisse constater dans Excel qu'est-ce qui se passe. Comme ça, on va pouvoir voir un peu. Donc, je me mets ici dans Excel et je vais remettre ma fenêtre VBA. Donc ici, vous voyez Excel. Donc, c'est vide. Si je regarde, bien sûr, pour l'instant, rien n'a été fait. Donc, je vais lancer, exécuter ma routine avec la petite flèche verte ici dans l'environnement VBA. Un petit coup dessus. Exécuter. Vous voyez ici, voilà, je m'arrête sur mon premier point où je dis que, donc ici, n'oubliez pas déjà qu'est-ce qu'il a fait avant, il a dimensionné mon tableau, il a mis string, il a donc dit que L, et vous voyez qu'elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que ben, je n'ai pas initialisé, donc il a commencé par mettre 0, integer, et c'est, vous voyez, égale 0. Si je regarde le tableau, pour l'instant, il n'y a strictement rien. J'ai pas besoin d'initialiser L et C, donc les variables L pour la ligne et C pour la colonne. Pourquoi? Ben, ça va tout simplement se faire dans la boucle, puisque vous voyez que si j'ai mis L est égal à 1, tout 5. Donc, je passe au suivant. Voilà, donc là, la ligne a été exécutée. Donc, si je regarde L est égal à 1, C est toujours égal à 0. Donc, j'ai toujours pas d'infos dans le tableau. Donc là, maintenant, je vais exécuter la ligne for C est égal à 1. Donc là, j'ai mis L est égal à 1, C est égal à 1. Donc si je vais voir, C est égal à 1, L est égal à 1, tableau, pour l'instant, vous voyez, ici, directement, il a pris tableau est égal à lundi. Je vais exécuter, donc puisque j'ai mis L et C, déjà, L à 1, C à 1, donc, lundi. Et maintenant, je vais remplir ma cellule. Et vous voyez qu'automatiquement, la cellule est égale à tableau. Next C, donc Next C, tout simplement, vous voyez que pour l'instant, je suis encore égal à 1. Et je vais passer à l'étape suivante, je vais passer à 2. Et vous voyez que je refais à nouveau la boucle. Et du coup, si je regarde, C est égal à 2. Et L est toujours égal à 1, puisque je ne suis pas passé sur Next L. Du coup, tableau est égal à 100. Et là, je vais dire maintenant que ma cellule est égale à tableau et remplir. Next C. Donc, il est passé à 3. Je sors. Donc, si vous regardez ici, C est égal à 3. Par contre, je passe. L est égal à 1. Toujours. Et je recommence. Donc, L est égal. Maintenant, vous voyez, à 2, puisque j'ai fait next. Donc, de 1 tout 5, et je passe à C, qui est égal ici, vous voyez, à 3, et grâce à cette commande, 1 tout 2, si je vais voir, il est repassé à 1. Donc, avec le next L, L est passé de 1 à 2, et ici, comme il était passé à 3, le fait de refaire for C est égal à 1 tout 2, l'a réinitialisé à 1. Et maintenant, je suis ici dans tableau, si je vais voir tableau, vous voyez que je suis à mardi avec L est égal à 2 et C est égal à 1. Je remplis. Je passe à next. Donc C est égal à 1 avec cette commande. Je passe à 2. Et vous voyez que tableau est égal à 200. Donc du coup, je suis bien L
ici A2 et c'est A2. Et comme ça va se faire pour chaque cellule, donc de 1 à 5. Et chaque fois, C va passer de 1 à 2 à 3 et se réinitialiser. Voilà, ici le next. Je vais faire, donc vous voyez qu'ici, je suis L est égal à 2. C est égal à 3. Je lance la commande L est égal à 1 tout 5. Donc, je suis bien ici à 3. Je suis toujours dans la boucle. Ici, C est égal à 3. Je vais l'initialiser à nouveau à 1. Et vous voyez, donc tableau est égal à mercredi, etc., etc. Donc, je vais faire mercredi. Voilà, 300. Et j'incrémente le L. Je reviens au C pour le mettre à 1. J'ai bien la valeur dans tableau jeudi. Voilà, je passe le C en 2. J'exécute le C, pardon, oui, en 2. La deuxième colonne et donc la ligne 4. Si on regarde donc toujours next C, il va passer à 3. Next L, je vais passer à 5. Je suis toujours dans la boucle. L est égal à 1 tout 5. Par contre, C qui était à 3 va se réinitialiser à 1. Et à nouveau, vous voyez, dans tableau G, vendredi, avec effectivement le L à 5 et le C à 1. Et je continue. Next C, de 1, il passe à 2. Je suis toujours dans la boucle. C1 tout C2. J'ai un nouveau tableau à 500 avec un L en 5, un C en 2. Je vais donc remplir ma cellule. Ici, je vais passer next C à 3. Et par contre, vous voyez, donc si je vais voir, il est en 2, il va passer à 3. Voilà. Ici, le L qui est en 5 va passer en 6. Et comme il va passer en 6, il n'est plus dans la boucle. Donc, automatiquement, vous voyez, il n'est pas reparti, puisque c'est L est passé à 6, et je suis sorti, et donc il a fait N sub. Voilà. Donc, j'enlève les points d'arrêt. Voilà. En gros, la boucle ici a été faite 5 fois, de 1 à 5, et chaque fois, tant que je suis dans la boucle, il tourne de L1 à il a fait, puis après L2, L3, L4, L5, il passe à L6, et là, il n'est plus dans le L est égal à 1 tout 5, donc il est passé à N sub. Et ici, chaque fois, pour le C, il est passé de 1 à 2, quand il terminait, next C est passé à 3, et comme j'étais toujours dans le L, il repartait pour le C en initialisant à 1. Donc une première boucle C, avec une deuxième boucle L. Et ici, la commande cells pour remplir une cellule, et tableau, ben, pour aller chercher le contenu de tableau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel VBA, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.